n'y a rien de plus important que nos enfants. Donc, on doit arrêter cette guerre. Ça va nuire sur nos enfants. Changement, là, c'est répété pendant les 39 jours. Mais on est d'abord une équipe intègre qui veut former un nouveau gouvernement qui va faire plus, qui va faire mieux, en étant plus efficace, mais aussi plus humain. Ça, il faut toujours se le rappeler. Pourquoi on est là? Donc, je ne suis pas menteur, je ne suis pas malhonnête et j'accepte pas ce mandat d'avoir augmenté le salaire de 15% des enseignants. Je pense que c'est un message majeur sur la valorisation des étudiants. Absolument avoir plus de flexibilité dans nos conventions collectives. Sauf qu'aujourd'hui, il ajoute, en échange de cette flexibilité, donc, je ne suis pas mental, je ne suis pas malhonnête. Thank you, Heather. So I'm happy. Je ne suis pas malhonnête et je n'accepte pas ce genre. Le premier ministre implore les syndicats. Il y a rien de plus important que les enfants. Donc, on doit arrêter cette guerre. Ça va nuire au site de nos enfants. Puis, déjà, il y a tant de vie. Donc, il faut arrêter ça. Là. S'il vous plaît, je demande donc tous les syndicats d'enseignants d'arrêter. FAE qualifie les propos de chantage émotif. Les représentants du syndicat sont réunis en instance le jeudi, soupèsent leur stratégie. Être capable de faire ce débat-là sans s'insulter, je me sens une responsabilité comme premier ministre d'être un rempart contre les extrêmes. On doit continuer d'essayer de rassembler les Québécois, même si on n'est pas toujours parfaitement d'accord sur les sujets.